Bonjour et bienvenue sur Télégoël pour le magazine On se lance numéro 3. Aujourd'hui, nous accueillons Sylvain Robert, maire de Lens et président de l'agglomération de Lens-Liévin, pour faire un bilan des matchs qui se sont déroulés à Lens. Pierre Delroisse, un propriétaire de gîte original sur le territoire, et Sébastien, un barman lensois qui initie sa clientèle à la salsa. Mais tout de suite, vibration, les meilleurs moments de la fanzone. Allez, on se lance. De beaux et sympathiques supporters sur cette fanzone et dans Lens pour les matchs de la semaine dernière. Mais tout de suite, les titres de votre JT. TT Plast à Lens annonce un plan de sauvegarde de l'emploi à partir du 1er juillet. En effet, la suppression des sacs plastiques chez les commerçants oblige l'entreprise fabricante de ces mêmes sacs à devoir se séparer de 18 emplois dans les mois à venir. De nouveau, des désaccords entre les élus PS et communistes au sein du conseil communautaire. En effet, les élus PC, dont Bernard Bode, maire de Méricourt, ont réagi à l'annonce d'un excédent de compte administratif de l'ordre de 12 millions d'euros. L'augmentation récente des taxes contribue à augmenter la fracture sociale d'après les communistes. Et le Parti socialiste, représenté par Monsieur le maire, insiste sur la nécessité d'avoir augmenté la fiscalité pour retrouver la confiance des banques et privilégier l'investissement sur le territoire. Et Manuel Valls était à Lens hier matin dans le cadre de la réhabilitation des logements miniers sur le territoire. Patrick Kanner, ministre de la Ville, Emmanuel Cosse, ministre du Logement et le Premier ministre ont visité quelques logements, notamment les Corons face au Louvre-Lens, qui seront bientôt une résidence hôtelière pour les nombreux touristes. La France, faut toujours le dire, doit beaucoup à cette région. La région Hauts-de-France aujourd'hui, la région Nord-Pas-de-Calais, je pense bien sûr à celle-ci hier. La France doit tant au Pas-de-Calais, 3 siècles d'industrie, autant de générations de femmes et d'hommes qui ont été les artisans du développement et de la modernisation de notre pays. Les cités minières sont chargées de cette histoire. Il faut désormais agir pour ceux qui y résident, et surtout des ménages modestes. Nous sommes là pour agir. Et nous devons agir notamment sur l'habitat social minier, qui représente souvent plus de 50% des logements. Et s'il se dégrade, c'est alors la commune entière qui en souffre.
L'État et les collectivités doivent apporter des réponses. Dès le mois prochain, le Fonds national des aides à la pierre, géré en partenariat avec les collectivités locales et les bailleurs sociaux, sera mis en œuvre. Nous serons attentifs à ce qu'une réponse soit apportée en priorité aux besoins de réhabilitation des logements des cités minières. Les villes et quartiers du bassin minier ont bénéficié de 400 millions d'euros de subventions au profit de tous les types d'habitats, y compris les cités minières, à Pécancourt, Ambre, Lens, Liévin ou encore Douai-la-Bussière. Mesdames et messieurs, transformer l'habitat, rénover les logements, c'est changer le visage d'un territoire. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, une nouvelle fois, nous faisons la démonstration par notre présence, mais surtout parce que nous engageons de notre volonté de vous accompagner, de jamais abandonner ce territoire et de lui rendre toute la fierté, elle est là, et toute la confiance qui s'impose. Je vous remercie. Merci Flavio Spatafora et Charlie Carton pour ce reportage. La fan zone a bougé également ces dernières semaines. Nicolas est allé rencontrer les commerçants installés sur cette fan zone au milieu des supporters. Là, je suis avec Monsieur Dambrine, le légendaire Monsieur Dambrine, une légende sur le territoire, hein, sur le territoire de l'agglo de Lens, Liévin. Monsieur Dambrine, là on est au sixième jour d'ouverture de la fan zone pour une rencontre République tchèque. Turquie, comment s'annonce encore cette ouverture de la fan zone aujourd'hui? Bah écoutez, ça s'annonce pas trop mal. Vous avez vu quelle heure il est 17h et il y a déjà pas mal de monde. Donc pour un match à 21h, ça se présente bien. Et là, je pense qu'on devrait réussir. Et en plus, on a la chance d'avoir le temps avec nous. Hein, ce matin, il pleuvait à torrent. Et là, regardez le soleil. Vous amenez le soleil. Merci. On a l'impression que la chance nous sourit ici à Lens. À chaque fois qu'on ouvre la fan zone, le soleil revient. À chaque fois qu'on ouvre la fan zone, le soleil revient. Et les frites sont prêtes. Ah ben les frites sont sans sas. Elles sont sans sas. C'est un produit universel, hein, la frite. Hein. Ouais. Un produit de la région, cultivé dans la région, cuit dans la région et vendu dans la région et consommé dans la région. Dites-moi, monsieur Dambrine, on a un beau souvenir ici de la rencontre Pays de Galles, Angleterre. Ah, ouais. Alors les Gallois, des bons consommateurs également? Ah, ouais, les Anglais, extraordinaires. Des vrais supporters, franchement, très bons consommateurs de bière, sans aucun problème, ça a été parfait. Vous n'avez pas vécu un événement dans la ville de Lens. Vous n'avez pas vécu d'agressivité particulière, c'était... Absolument pas, aucune agressivité. Franchement, des gosses sympas, rigolos, donc ils sont venus faire la fête et soutenir leur équipe. Mais c'est bien de recevoir des étrangers chez nous. Formidable, leur faire coudiller notre savoir-faire. Oui, c'est formidable. Okay. Voilà, et bravo Télégoël. Ok, merci Monsieur Dambrine, et puis on vous dit à très bientôt pour un prochain rendez-vous dans la fan zone. Ouais, bah, si vous voulez une bonne frite, c'est le moment. À très bientôt, merci. Merci. Écoute, là je suis avec Sam, l'euro patron d'Alors du Pain, qui est un des nombreux commerçants et partenaires présents sur la fan zone. Sam, comment ça se passe là maintenant après 5-6 jours d'ouverture de la fan zone sur Lens? Du bonheur, de la fatigue, de la bonne fatigue. Aujourd'hui, l'Euro 2016 en France se passe à merveille. À Lens, on a une fan zone extraordinaire. On a la ville qui a joué le jeu en faisant travailler les commerçants locaux. On ne peut être que fiers de ce qui nous arrive aujourd'hui, parce que y a la France qui est déjà qualifiée d'office. Aujourd'hui, on affronte la Turquie, République tchèque. Un public, je pense, plus spectateur que supporter, contrairement au match Angleterre-Pays de Galles qu'on a pu découvrir jeudi dernier. D'accord. Sam, petite question, tout simplement, à l'heure du pain, qu'est-ce que vous vendez là sur la fan zone? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors, à l'heure du pain, ça fait maintenant 7 ans et demi qu'on existe. Nous sommes installés à la grande résidence à Lens, quartier populaire. Également rue Léon Blum, un deuxième quartier populaire, la cité 11 de la ville de Lens. La municipalité et la ville a joué le jeu avec nous en faisant travailler les commerçants locaux. Aujourd'hui, on propose la même chose que ce qu'on a dans nos commerces, c'est-à-dire l'activité de snacking, de sandwicherie, de boissons. On a des partenaires comme Coca-Cola et Carlsberg qui ont joué le jeu aussi avec nous et qui nous ont donné les moyens de s'installer comme il fallait. Que du bonheur, quoi. Au niveau de tes équipes, ça représente combien là, à l'heure du pain? Combien de personnel là, qui bossent, qui sont mobilisés là, sur un mois d'exploitation? Alors, il y a une chose à savoir qui est très importante, c'est qu'à l'heure du pain, il y a l'Euro 2016 et la fan zone. Et à l'heure du pain, ça continue à tourner comme normalement, quoi. Donc, on a une équipe de 7 employés qui continuent à travailler normalement. Et à l'occasion de la fan zone, on a recruté 20 personnes pour s'occuper intégralement de la fan zone.
Aujourd'hui, je pense que le Lensois qui veut vivre l'Euro 2016 avec l'équipe de France dans la fan zone a plutôt intérêt à arriver de bonne heure parce qu'on est vite complet, quoi. Ok, dans ta clientèle ici, tu as forcément les pays qui soutiennent leur équipe qui joue au Stade Bollaert. Là, ce soir, la Turquie et la République tchèque. Bon, tu as des Lensois comme clients, mais est-ce que tu rencontres aussi des Arrajois, des Béthunois, des habitants d'Hénin, de Carvin, des habitants de Lille? En discutant avec tes clients, ça vient d'un peu de partout, non, du coin? J'irai plus loin même, j'ai des gens qui viennent de Auchel, de Bruet, de Béthune, de limite même de Saint-Omer, qui viennent dans la fan zone à Lens pour vivre l'Euro 2016 et pousser l'équipe de France. Ouais, donc on invite tous nos voisins, déjà les habitants de l'Aglo, et puis aussi tous nos voisins à venir nous rejoindre ici à la fan zone. C'est vrai qu'il y a une ambiance exceptionnelle, tout le monde le dit en France, hein. Cette fan zone, peut-être la plus petite, mais elle accueille 8-9 000 spectateurs sur les matchs de l'équipe de France ou les matchs qui sont joués à Bollaert. On espère qu'on va tenir la distance, on est là jusqu'au 10 juillet, et puis allez l'équipe de France. Évidemment, allez l'équipe de France, et j'espère qu'on lèvera la coupe sans problème. Salut Valérie, à tout à l'heure, ciao. Merci Nicolas, et surtout n'hésitez pas à venir manger un sandwich, une frite ou boire une petite boisson sur la fan zone en encourageant vos joueurs. L'actualité ces dernières semaines n'était pas en reste avant l'Euro. Tout de suite, les lycéens de Salomine habillent les murs face à leur établissement. Les jeunes de Grenay ont lancé des ballons. L'APSA a fêté ses 50 ans et la ville d'Avion accueillait une compétition de paracanoë. Tout de suite, les images. Dans le cadre de la semaine culturelle, les élèves du lycée La Peuplerée de Salomine ont réalisé des fresques murales aux abords de l'établissement. Sur les panneaux, inspirés par l'artiste peintre Lem, figurent des lettres et des dessins, composant ainsi des mots-clés qui ressortent d'après le ressenti des élèves, comme le respect, le bonheur, le droit d'expression ou encore la liberté. Ils réalisent une fresque en fait sur la citoyenneté. Alors cette fresque était prévue déjà depuis un certain nombre d'années, mais nous avons reçu les subventions cette année, donc nous sommes habilités à peindre en fait normalement dans un premier temps 10 panneaux. Le but de cette initiative, c'est en fait déjà dans un premier temps le 13 et 14 novembre, les élèves avaient réagi suite aux attentats de Paris. Ils avaient donné leur ressenti sous forme de petits papiers qu'ils avaient exposés sur un mur d'expression qui est au CDI. Et en fait, ils ont prolongé en fait cette réalisation par un ressenti plus profond au niveau du dessin. Je pense qu'ils sont très heureux d'apporter un plus à leur lycée. Ce sont surtout des élèves acteurs qui aiment montrer les valeurs en fait de la société. Une activité qui mixe donc citoyenneté, art et loisirs et qui permettra de donner un peu de vie et de couleur au voisinage du lycée. Il y a quelques semaines, le canoë-kayak club d'Avion a organisé sa journée handisport. Non. Près de 160 personnes handicapées ont pu participer à des activités comme le tir à l'arc, la randonnée, le tir au but, le pédalo et le dragon boat. Il y a des comptes à rendre par rapport à des normes. René m'avait déjà fait une blague similaire, c'est qu'on se réveille. Ce jeudi 26 mai à Lens, l'APSA fêtait un demi-siècle d'engagement et d'action solidaire au service de nos concitoyens les plus en difficulté. C'est une association assez ample, de 250 salariés approximativement. Une association qui ne s'occupe que des gens qui sont dans la précarité, dans les grandes difficultés, de la rue jusqu'à la réinsertion par le logement, le travail, la formation. On accueille également des services un peu périphériques qui sont les centres d'accueil de demandeurs d'asile. Dans notre région, c'est quelque chose qui représente une difficulté prégnante et donc à laquelle on a voulu combattre cette difficulté. Donc on a voulu s'associer avec les services de l'État pour ça. Et on a aussi des services qui sont des services dédiés au soutien de la parentalité, au soutien de la famille et notamment dans le cadre des violences conjugales et de la lutte contre les violences conjugales. On a aussi un service qui s'occupe de ça. Dans son livre, il vient dire l'action sociale est là comme un peu l'infirmerie pour les 2-3% qui ne trouvent pas d'emploi sanitaire. C'est assez intéressant de voir comment les... La cérémonie d'anniversaire visait aussi à sensibiliser une nouvelle fois le grand public aux situations précaires que personne n'a choisi de vivre. Sur
laquelle l'APSA s'est engagée aux côtés de la ville, aux côtés d'autres partenaires, mais pour ce qui me concerne au niveau de la ville, et puis aussi dans l'accueil d'urgence, notamment l'hiver. Les élèves de Bully, Grenet et Mazingarde se sont retrouvés sur la place de la cité minière de Grenet pour un lâcher de ballons le vendredi 10 juin. Le but, envoyer des dizaines de messages écrits sur des cartes postales dans les airs. Alors, écartez-vous un peu. Venez découvrir un territoire exceptionnel. Venez sympathiser avec des gens, pas comme les autres. Avec des gens. Le photographe Jean-Michel André était le coordinateur de cette initiative. Plus de 800 ballons se sont envolés au-dessus de l'Artois. Pour un nouvel accessoire bifonctionnel, double fonction, les lunettes de soleil aux couleurs de la France. Tu veux des binocles passe-partout mais qu'on te remarque quand même quand tu les portes? Opte pour le modèle classico-classique avec ses verres ronds, pas de fashion faux pas. Cette paire convient à tout type de visage. Tu veux plutôt te la jouer au KLM façon bébé brune? Le modèle contrefaçon Ray-Ban est ce qu'il te faut. Avec ces petites fleurs, tu seras en total look été. C'est tout pour ce nouvel accessoire de l'Euro 2016. On se retrouve quand on se retrouvera. Allez, ciao, bye bye! On espère toutes et tous pouvoir porter ces belles lunettes de soleil dimanche prochain pour voir nos Bleus remporter la victoire de ces quarts de finale. Des Bleus qui ont affronté déjà de nombreuses équipes avec de nombreux supporters qui sont venus à Lens pour soutenir leur équipe. Ils étaient des milliers à passer quelques jours sur le territoire, mais où sont-ils donc allés dormir? Eh bien, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Pierre Delroys, qui est l'une de ces personnes qui les a reçus. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, dis-nous un peu pourquoi tu as reçu chez toi des supporters venus de toute l'Europe. Déjà, en fait, on a ouvert des gîtes au mois de février, en fait, des gîtes atypiques sur Lens, au pied des Terriers et du 11-19. Et forcément, nous, ça, cette année, c'était vraiment un peu... L'Euro, c'était un peu notre objectif d'avoir tout finalisé pour l'Euro, sachant qu'on est, moi et ma femme, supporters du Racing Club de Lens. Donc forcément, c'était le fait d'accueillir du monde, des personnes d'autres univers, et aussi par rapport au foot, donc c'est joindre l'utile à l'agréable. Voilà, on a pu accueillir des gens venus de l'Europe entière et même on a traversé l'Atlantique puisqu'on a eu des Canadiens et des gens des États-Unis qui sont venus chez nous. Voilà, quoi, c'était une superbe expérience. Donc ces gîtes, c'est tout nouveau en fait sur le territoire. Oui. Ça fait pas longtemps que vous avez construit ça. Voilà. Comment ça s'est passé? Alors nous, on a démarré là au mois de février. On a fait à peu près un an et demi de travaux, sachant qu'on travaille tous les deux à côté, c'est un peu chaud. En fait, on a fait des gîtes à connotation développement durable au pied des Terriers du 11-19. Donc on a 300 mètres du site. Je suis guide bénévole auprès du CPE Chaîne des Terriers. Donc je propose aussi des visites gratuites le dimanche matin. Ou le week-end quand je travaille pas aux gens qui viennent chez moi. J'ai fait un bain nordique moi-même. Voilà, on a axé ça sur le développement durable et aussi sur la région puisqu'on a fait travailler avec nous que des gens de la région. Donc on a vraiment essayé de mettre une identité régionale bassin minier surtout. Et puis voilà aussi sur le développement durable pour être en cohérence aussi avec le site du 11-19. Et puis voilà parce que notre territoire a été un peu martyrisé pendant un siècle d'activité industrielle intensive. Et aujourd'hui c'est un renouveau quoi. Donc voilà. Ça s'appelle les gîtes de l'école buissonnière. Tu peux nous expliquer pourquoi ce nom? Alors l'école buissonnière, pourquoi? Parce qu'on est au cœur de la cité 11, qui est classée, hein, et on a racheté l'ancienne maison de directeur d'école, et donc on est dans le jardin. Les gîtes sont implantées dans le jardin de l'école, ce qui était le jardin de l'école à l'époque. Donc l'école buissonnière, pourquoi? Parce qu'il y a deux classes où les enfants, éventuellement, lorsqu'ils lèvent un peu les yeux au ciel, alors moi, je n'étais pas super...
hyper attentif en classe et c'est vrai que parfois je m'évadais. Et en fait, ça m'a donné cette idée. Une fois, j'étais en jardin en train de, voilà, de préparer le projet, on cherchait le nom. Et ça m'est venu tout de suite. Je me suis dit, bah, en fait, je me suis mis à la place d'un gamin qui un peu regardé, dire oh, bah, ça pourrait être sympa et j'aimerais bien passer le mur et puis aller là dans le jardin un peu m'évader. Et donc, les gens, lorsqu'ils viennent ici, bah, c'est prendre une petite parenthèse en fait. Et donc, l'école buissonnière, on a tous envie un peu à un moment donné, après le travail, donc pour des professionnels qui après veulent se reposer, des gens qui viennent en week-end, de voilà, faire l'école buissonnière, c'est-à-dire un peu oublier le stress quotidien, et puis de voilà, et à Lens. Et à Lens, qui est quand même assez étonnant pour surtout des personnes extérieures, parce que, bon, on l'a vu nous avec l'Euro, hein, on a vraiment, et ça je le dis, je le redis, et ça me fait plaisir, on est fatigué, on a mis tout ce qu'on avait, mais les retours sont... C'est extraordinaire parce que ici les gens n'ont qu'une bonne surprise en fait. Ils ont tellement une image parfois un peu négative qu'ils arrivent là et ils se disent mais en fait c'est génial, on est venu pour une nuit ou deux. C'est déjà arrivé que les gens prolongent un peu, demandent s'il y a un peu de place pour prolonger ou de revenir. Et c'est ça, ils ont envie de revenir parce qu'il y a beaucoup trop de choses peut-être à faire. Donc, voilà. On était venu avant l'Euro chez toi faire une petite visite. Alors tout de suite, le reportage sur les gîtes de l'école buissonnière. Ils sont enfin arrivés au bout de leur projet et de leurs rêves. Pierre et Elsa étaient en plein travaux quand nous les avons rencontrés au cœur de leur gîte de l'école buissonnière. Ils attendaient avec impatience les premiers vacanciers. Bonjour, bienvenue donc à l'école buissonnière. Je vais vous faire un petit peu visiter notre chez-nous, en fait, qui n'est pas encore tout à fait terminé. Mais donc voilà. Ici, on est à l'entrée, une entrée indépendante pour les gens. L'idée, c'est que voilà, chacun soit chez soi tout en partageant en fait l'espace. Donc ici, on a un petit accueil qu'on est en train de terminer, qui accueillera une petite boutique. On mettra à disposition aussi des paniers petit déjeuner, des paniers barbecue, raclette, etc. Ensuite ici, il faut imaginer un cheminement en schiste. On va prendre des schistes, enfin acheter des schistes sur le 11-19 à l'entreprise qui exploite le reste du terri. Donc là on a nos trois habitats. Ici on va faire une petite placette en schiste. Donc trois habitats. Un premier avec un toit terrasse. Ce qui est sympa, c'est que lorsqu'on est là-haut, on a une vue sur le raid d'un côté, le terri et le 11-19 d'un autre, l'école qui est classée, et puis un peu sur tout le terrain. En fait, un petit esprit cabane dans les arbres. C'est le projet de notre vie, en fait, l'école buissonnière. C'est, voilà, depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années, j'avais en tête de faire des habitats touristiques en fait. Donc on n'a pas attendu, moi et mon épouse, hein, parce qu'on est à deux, on n'a pas attendu que le Louvre arrive, tout ça, pour s'imaginer qu'un jour en fait on pourrait faire du tourisme chez nous. Au début on était parti sur des chambres d'hôtes. Et puis vite fait on s'est dit mais ça serait quand même bien de faire trouver un endroit où on pourrait faire des habitats un peu avec un côté naturel. Et donc on a trouvé cette maison ici, qui est au cœur de la Cité des Provinces, à Lens. La particularité de cette maison, c'est qu'un très grand jardin, c'est l'ancienne maison du directeur d'école. Tous les bâtiments autour de chez nous sont classés. Et donc, on a retapé toute la maison pendant un an. Et depuis un an et demi, eh bien, on est en travaux pour monter nos trois habitats. Trois habitats qui sont à vocation donc développement durable, on va dire écologique. Et lorsque ça partira, eh bien, ça, on reviendra dans le terrain redeviendra comme il était il y a, on va dire, dans 50, 60, 70 ans, voire un siècle, on ne sait pas. Et donc, tout redeviendra comme avant. On va toujours à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde pour découvrir des choses. Et parfois, et je suis le premier à ne pas connaître les choses qui sont à 5 km de chez moi. Et puis, ben, pour faire une petite pause ici, une petite parenthèse, c'est l'idéal. Et puis, voilà, je vous invite tous à venir nous rencontrer. Vous serez les bienvenus pour ce projet-là et pour les autres. Voilà, et pour les autres, parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Non, il y a beaucoup d'autres. On va se lancer dans les habitats mobiles, ça avec Olivier, en fait, on va s'associer. Parce qu'ici, bah, c'est une histoire de rencontres, de belles rencontres. C'est ça, voilà. Exactement. Et puis, on veut faire des rencontres avec des gens qui ont lieu dans les gîtes. Les gens, comme Olivier, qui a conçu, qui a pensé ces gîtes-là, on s'entend tellement bien qu'on ne va pas s'arrêter là. Et on va essayer de se lancer dans de l'habitat mobile,
C'est-à-dire que ces petits habitats-là, les proposer à des collectivités, à des particuliers qui voudraient se lancer dans l'aventure. On pourrait les gérer pour eux, avec eux. Ouais. Dès 2016. Dès 2016. Donc voilà. On va suivre. Un projet, on appelle un autre. Et voilà, c'est le début d'une aventure. Donc, soyez les bienvenus. Beaucoup de projets et de beaux habitats. Pierre, tu as encore des projets et tu as fait beaucoup de rencontres pour les gîtes là, pendant 7 euros. Combien de personnes tu as accueillies depuis le début ? Depuis le début de l'euro ou le début de... Depuis le début de l'euro, oui. Depuis l'euro, chaque match, veille de match et avant-veille, voire le lendemain, on était complet. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on dit... On est complet. Donc, on a même. On en est arrivé à me louer notre chambre pour dépanner. Les gens, en fait, Lens était victime de son succès, faut le savoir. Je pense que M. le maire pourra en reparler après, mais sincèrement, on l'a vraiment senti. Et, on a dû tourner 60 personnes, on les a eues, hein, d'univers complètement différents. Alors, c'est parti d'anglais, gallois, on a eu des turcs, des portugais, des allemands, des suisses, des canadiens. Des Américains. On a un peu tout. Pour se comprendre, ouais. C'est facile, tu parles facilement anglais. Alors, je me suis un peu arrêté. Oui, je parle, je sais pas, en fait, comme toi, mais en tout cas, mon anglais est assez limité. Moi, c'est marqué but, alors tu vois. Voilà, yes, I speak English a little bit. Mais, voilà. On est pareil. Mais justement, comme je propose les visites de la cité, etc., du site et du terri, je propose éventuellement. J'ai proposé aussi aux Suisses, c'était plus facile, Suisse français, Suisse allemand plus compliqué, et aux Américains, notamment le dernier match, s'ils voulaient éventuellement que je leur fasse visiter. Donc on est allé faire une balade, j'ai rien promis sur... j'ai réussi à tenir 2 heures en anglais, on va dire, mais finalement, quelques mots, quelques gestes, et puis les gens en fait sont en demande, et ça a permis de me tester quelque part et de s'apercevoir que finalement, parfois, il faut être devant le fait accompli, quoi, quelque part, mais surtout, c'est que derrière, ils ont tout compris, et ils ont envie de revenir et envie d'en parler aux autres personnes. C'est aussi que tu es un passionné et que du coup, la passion passe dans n'importe quelle langue. C'est qu'on peut parler ballon ou patrimoine minier, etc. Je pense qu'effectivement, pour n'importe quel domaine, tous les gens passionnés, on sait transmettre quelque chose, et surtout une émotion. Est-ce que tu as des petites anecdotes sympas? L'anecdote sympa, on a eu plein. Alors, comme je disais, il y en a qui sont plus... on peut en parler, d'autres un peu moins peut-être. Mais disons que moi, s'il y en a une à retenir, on a eu un groupe de Turcs qui sont venus. Alors, des Turcs qui travaillent en Suisse, qui étaient accompagnés par des amis portugais, c'était assez compliqué. Et on avait d'autres hôtes qui venaient du Canada, qui étaient d'origine turque et portugaise, ils se sont retrouvés chez nous. Ils sont arrivés, la veille il pleuvait, donc on a mangé une pizza ensemble, tout ça, voilà, on était allé chercher, on s'est arrangé. On a regardé le match ensemble, je reproposais d'aller à la maison. Et puis ils avaient 2 tickets à vendre. Donc il me dit, tu connais pas des copains? Je dis, demain je ferai le tour, tout ça. Puis à la fin de la soirée, il dit, non, demain vous venez avec nous au match. Je dis, non, je voulais pas. Donc finalement, ils nous ont invités au match. Et puis on a fait toute une après-midi avec eux. On s'est retrouvés en tribune turque, dans ce qu'on peut appeler le cop turc. Dans mon stade, je pensais pas aller à Bollard pour l'euro. Voilà, je m'y suis retrouvé et c'était génial. Et depuis, en fait, on est en contact. Ils veulent revenir. Il faut savoir que Lens, ils le connaissent. Et le soir, je lui ai fait une petite tournée des bars. J'ai croisé des Turcs. Moi, j'avais pris mon maillot de Lens. Il m'a dit, tu mets ton maillot de Lens, tu nous donnes des écharpes de Lens. Ils sont allés avec des écharpes de Lens dans l'euro. Donc, ils sont rentrés dans le stade. Et moi aussi avec mon maillot. Et j'ai croisé des Turcs en ville. Et il y a un Turc d'Istanbul qui m'a croisé et fait, hey, maillot, Tony Vérel. Mec, Tony Vérel, c'est un ancien joueur de chez nous. Mais je dis, comment tu connais Tony Vérel? Mais je connais. Et en fait, Lens est très connu au niveau. Alors, c'est des amateurs de foot, mais c'est vraiment connu. Et beaucoup veulent venir voir un match ici. Donc, ils ont pris date. Et là, on se renvoie des messages depuis. Ils ont pris le boulot. Ils m'ont envoyé des petits SS en disant, on a la nostalgie de Lens. Parce qu'ils avaient fait plusieurs stades en France. Ils finissaient par ici. La plupart ont fini par ici. Et ils m'ont dit, c'est un petit stade. Mais il y a une super ambiance, enfin, c'est vraiment comme la ville, c'est très convivial. C'est vrai que c'est une des dernières villes où le stade est en ville, quoi. Et voilà, s'il y a une anecdote, ça peut être ça, mais j'en ai plein d'autres. Bon, en tout cas, ça avait l'air très sympa. Merci Pierre, c'est à moi très qui bientôt. Vous remercie. Je peux juste ajouter quelque chose, c'est que je viens de revoir le reportage que vous avez tourné il y a quelques temps. Alors aujourd'hui, les travaux sont finis, mais je tenais à vous remercier pour d'avoir fait confiance quelque part, d'être venu nous voir. Tout le monde l'a pas forcément fait en télé, etc. Médias. Et je tenais vraiment à vous le remercier et ça m'a fait tout bizarre. Donc voilà. Mais de rien, mais les endroits sympas et sur Lens, il y en a beaucoup, mais on tenait à t'avoir comme invité sur le plateau.
Voilà, merci beaucoup. Alors, tous ces supporters ont été drôlement sympas et en tout cas sur la commune, aucun débordement grave et aucun incident majeur à déplorer, comme pourra nous le signaler Sylvain Robert, maire de Lens. Monsieur Sylvain Robert, bonjour. Bonjour. Alors, on a vu ces supporters passer de bons moments chez Pierre et Elsa. Vous devez être satisfait de l'ambiance qui a régné sur la ville. Oui, on a eu une super ambiance pour les matchs, pour les ouvertures de fanzone qui étaient aussi des moments un peu particuliers. Et on a vu aussi avec les commerçants les retombées concrètes. Donc c'est mission réussie et on attend encore la même dynamique jusqu'au 10 juillet parce que la fanzone reste ouverte jusqu'au 10 juillet. Oui, parce que là les matchs à Bollard sont terminés mais la fanzone reste ouverte. Au niveau du stade Bollard, comment ça s'est passé et quels sont les retours au niveau de la mairie? Alors, les retours sont un peu délicats parce que ça s'est géré directement auprès du UEFA. Il y a dû avoir sûrement des choses à gérer en dernière minute. Mais globalement, l'ambiance était là. Il n'y a plus de gros problèmes d'accès. On est sur une liaison fanzone-stade qui était directe. On l'a vu avec le reportage sur l'équipe turque et les commerçants qui étaient dans la fanzone. On est vraiment sur des retombées concrètes aussi les jours de match à Bollard. Donc, un bon bilan, a priori. Ils sont déjà en train de démonter parce que ça va vite. L'Euro dans le stade est terminé. L'UEFA démonte rapidement ses équipements parce que voilà, la saison va reprendre. En un mois, le Racing recommence son championnat et le match à Bollard début août, il faut que tout soit prêt. Nous, on a de la chance, on n'a pas changé la pelouse, mais en tout cas, le stade sera prêt. Est-ce que vous aviez quelques appréhensions avant l'Euro qui se sont un peu effacées, mais est-ce qu'il y avait de grosses appréhensions par rapport à l'actualité, à ce qui s'était passé dans les autres communes? Oui, alors c'est pas forcément de l'appréhension parce qu'on avait quand même travaillé sur le sujet, sur tout ce qui est scénario potentiel. Après, c'est vraiment un peu de tension de dernière minute parce que c'est toujours l'imprévu. Le risque zéro n'existe pas. On a des scénarios qui peuvent nous permettre de réagir en fonction des aléas qui vont se présenter, mais on a toujours le cas particulier qui se présente et qu'on n'aurait peut-être pas prévu. Puis tout compte fait, non, tout s'est très bien passé. Le travail de concertation qui date depuis plusieurs mois, parce que ça s'est fait avec les services de l'État, avec l'ensemble des collectivités, montre qu'à ce niveau-là, tout a bien été anticipé, tout a bien été prévu pour que la fête soit vraiment une fête du football et pas une fête des supporters un peu déviants, comme on l'a pu le voir, notamment à Marseille. Est-ce que vous avez rencontré des supporters étrangers ou est-ce qu'ils sont venus en mairie et qu'est-ce qu'ils ont pu dire sur la ville, etc. Est-ce que les services communication, vos services ont eu des retours? Oui, alors tout le monde va avoir quelque part son expérience et un peu son échange avec les supporters, parce que c'est intéressant aussi ça, c'est pas uniquement d'avoir les matchs, d'avoir l'ambiance générale, c'est aussi de voir les discussions, comment ils ont perçu un peu notre environnement, notre organisation, c'est un peu ce qui peut nous permettre de nous améliorer peut-être encore pour la suite. Et puis bon, des anecdotes, chacun va en avoir. Au niveau du service com, on voit les superbes photos qui ont été faites, donc à chaque fois ces images-là qui parlent d'elles-mêmes, de voir l'ambiance qu'il y avait dans la fanzone, de voir les commerçants ou le monde économique, comment il a pu d'un moment peut-être appréhender l'euro et tout compte fait, bah, retrouver avec une vision positive. Et puis quelque part, c'est une image globale du territoire qui s'en sort encore grandi. Certains pouvaient justifier en étant qu'on était pas le petit poussé, qu'on n'avait peut-être pas notre place pour faire l'euro. On a montré qu'on avait largement notre place avec la particularité d'un stade de centre-ville. Certains le faisaient pour la première fois. Bon, ils ont essuyé les plâtres, ils ont peut-être des difficultés. Je parlais de la pelouse peut-être à Lille ou à Marseille. Nice a eu d'autres soucis. C'était leur premier grand événement majeur, en tout cas dans ce domaine-là. Nous, on avait l'habitude, malgré notre petite taille, on montre qu'on a vraiment notre place dans le top 10 des organisateurs français pour ce type d'événement. Bon, donc on peut continuer à dire meilleur public de foot à Lens et meilleur stade de foot à Lens aussi. Tout à fait, il faut être chauvin. sinon, l'été débute, le foot c'est bien, mais les habitants n'aiment pas tous le football à Lens. Et qu'est-ce qui les attend pour cette période estivale sur la commune? Ah bon, là on a les programmes habituels d'été, mais on va surtout ponctuer l'été avec le carnaval des Géants Lensois au mois de septembre, parce que là on a les habitudes d'animation de quartier, d'animation aussi avec les centres socioculturels, on revient dans la programmation classique, la programmation culturelle reprend fin septembre, mais on a le carnaval des Géants Lensois, on finit la saison, en tout cas on finit l'année scolaire avec l'Euro, et on va recommencer la suivante avec plus de 110 géants qui vont venir le 11 septembre en ville. Donc voilà, on va retrouver, je l'espère, cette ambiance de folie, mais de bonne folie, parce que c'est cette ambiance de fête qui a fait notre particularité, qui a fait notre réputation, a priori auprès des supporters étrangers, qu'il faut maintenir, parce que maintenant il faut créer et engranger quelque part des points sur cette dynamique. L'Euro c'était un phénomène, mais il faut que derrière l'après-Euro soit aussi un phénomène pour notre territoire.
On a rencontré beaucoup de gens qui nous ont dit que le boulevard Bazdy, les gens qui se baladaient, le boulevard fermé, c'était super agréable. Est-ce que dans l'avenir, il pourrait y avoir des week-ends ou des saisons où le boulevard serait rue piétonne et où les gens pourraient déambuler avec des animations, etc. Alors, on avait déjà fait plusieurs tests. On avait à un moment des structures gonflables qui prenaient le samedi le boulevard Bazdy. Et c'était peut-être avec la concertation avec les commerçants qui avait été un peu trop rapide. Donc là, on voit que c'était un phénomène quand même un peu extérieur. C'est l'euro. C'est un point de centralisation aussi avec l'écran géant qui amène d'un public très large. Et puis le boulevard Bazdy piéton, parce qu'on avait aussi un public extérieur important. Quand il y a 40 000 supporters qui arrivent, pas forcément comme les supporters de Bollard, parce que chacun arrive en voiture, arrive à se garer pas trop loin du stade parce que connaissant aussi les lieux, là on avait des supporters qui arrivaient dans des systèmes organisés, en bus, en train, certains en voiture, mais repartaient sur les parkings identifiés. Donc voilà, cheminer en ville par rapport à ce qui était prévu. Donc c'est sûr que le boulevard Bazdy avait son utilité. Voilà, faut y regarder, faut savoir dans quel cadre et pas le faire non plus de façon habituelle ou non coordonnée parce que derrière, faut qu'il y ait un intérêt et on sait très bien que l'intérêt sera aussi de créer l'activité économique et la fan zone en centre-ville avait ce but-là. Donc le boulevard Bazdy était une conséquence, mais ce n'était pas la cause de départ. La fan zone a amené le boulevard Bazdy piéton, mais bon, après, si on met le boulevard Bazdy piéton, faut savoir ce qu'on y met à côté comme animation pour donner justement cette dynamique commerciale et pas uniquement se faire plaisir à fermer ou pas le boulevard Bazdy. Donc beaucoup de choses à visiter sur Lens. On peut peut-être proposer aux téléspectateurs de visiter le musée de Lorette, un musée consacré à la guerre 14-18, un reportage signé David Loriot. Alors vous êtes ici au musée vivant de Notre-Dame de Lorette situé sur la colline. Donc le musée lui est ouvert depuis 1991 et se divise en trois parties. Vous avez une première partie du musée dans laquelle nous nous trouvons où vous avez des mannequins qui présentent des tenues d'époque et des objets retrouvés sur le champ de bataille de Notre-Dame de Lorette. Dans ce musée, vous découvrez aussi des abris souterrains avec une animation laser. Pourquoi ces abris souterrains? Parce que sur le site de Lorette, il est tombé tellement d'obus, en moyenne 25 au mètre carré, que les soldats étaient absolument obligés de s'enterrer pour survivre. Donc vous découvrez dans ces abris la vie de tous les jours sous terre pour les soldats. En complément de ce musée, vous avez sur le côté un diorama dans lequel vous avez des visionneuses avec des vues sur verre en stéréoscopie. Vous avez 16 vues par appareil, des vues en relief. Et dans ce diorama, nous pouvons y accueillir les groupes scolaires ou les visiteurs qui peuvent y venir aussi avec un pique-nique. Et attenant au musée, tout autour, nous avons un champ de bataille sur 2,5 hectares dans lequel vous avez 1000 mètres de tranchées reconstituées avec dedans des plaques de blindage, des réseaux de barbelés, des canons, 10 minenwerfer, des lance-mines pour montrer un peu la difficulté et la dureté des combats ici sur le site de Notre-Dame-de-Lorette. Les collections du musée ont été constituées bien sûr au fil de l'eau et la majorité des pièces a été trouvée ici dans la région, dans les greniers des fermes, là à l'arrière, là où les soldats se reposaient et où abandonnaient une partie de leur équipement. Et bien sûr aussi toute une partie pièces de fouilles retrouvées dans l'étranger. Nous avons aussi des pièces qui ont été échangées avec différents musées européens. Il est bien sûr actuellement difficile. Nous sommes dans le cadre du centenaire, donc ce sont des vêtements, des pièces, des objets qui ont 100 ans. Et donc au niveau des tenues, des équipements, des vestes, des pantalons, des coiffures, toutes les pièces sont authentiques et d'époque, très difficiles actuellement à trouver. Il faut savoir qu'après-guerre, il n'y avait pratiquement plus rien. Les gens utilisaient les chaussures, les bottes, les manteaux, les capotes ont été reteintées en noir, elles ont été utilisées par les civils. On a utilisé aussi beaucoup d'équipements dans les fermes, les pelles, les pioches, les caisses, les pinces, les musettes, les gourdes, tout ça a été utilisé parce qu'à la limite, au sortir de la guerre, il n'y avait plus rien. Donc tout ce matériel, 100 ans après, est bien sûr actuellement très difficile à trouver. Et puis il faut savoir aussi que ici dans la région, après la guerre 14-18, on va dire 25 ans après, vous avez la Seconde Guerre mondiale avec l'occupation par les troupes allemandes et les Anglais. Et donc l'occupation par les troupes allemandes fait que les personnes qui avaient encore des pièces de 14-18 dans leur grenier, comme un casque à pointe ou un casque Adrien ou une baïonnette, les ont cachées, les ont voire enterrées ou s'en sont séparées de peur de subir des représailles par l'occupant.
Le musée est ouvert tous les jours de l'année, de 9h le matin à 19h le soir, sans interruption. Pour les familles, il n'est pas nécessaire de réserver, réservation uniquement pour les groupes. Nous avons une adresse internet, donc un site internet, www.musee1418, tout est collé, musee1418.com. Voilà, et là-dessus, vous avez l'ensemble des informations nécessaires à la découverte du site. Vous avez des informations sur l'anneau de la mémoire, la nécropole, la basilique, l'ossuaire, le champ de bataille et le musée.